Yahoo Bidiboncha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est devant ma pile à lire qui est de ce côté. Ici c'est une étagère en fait, comme il y en a 4 au total. Celle-ci on la perçoit souvent un tout petit peu sur les vidéos YouTube. Et donc celle-ci on la voit jamais. Et donc du coup, c'est bordel non. Là franchement le ciseau, la feuille, le cube qui devrait plus être là, les mangas qui sont ici, là... pareil là on voit les boss au crayon qui devraient pas être ici parce que j'ai juste de les filmer donc là le jour où je filme on est le 5 et j'ai filmé ça samedi, voilà. Et donc bah là aussi c'est totalement bordel, la pile à lire elle ressemble plus à rien, donc je vais ranger tout ça en images et en musique. Je te laisse juste vraiment en images, en accéléré etc parce que j'aurais rien à dire. Ici c'est l'étagère Akata. Là, tu vois, par exemple, il y a ça qui est Akata, donc qui n'a rien à faire ici, qui devrait être là. Là, il y a des titres Halloween, ici, là, ces deux titres que j'ai déjà présentés, donc il faut que je les mette ailleurs. Voilà, par exemple, là, il y a des mangas Mariage Toxine, bah, c'est un peu du Halloween, donc il n'a pas à être ici. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a même l'étagère, celle-là, tu vois, un peu. Donc là, c'est bordel. Là aussi, là, presque. Il y a les figurines, enfin voilà, faut que je range tout ça et on va faire ça, tout ça ensemble en images et donc en musique. Tout simplement, donc j'espère que cette vidéo te plaira, n'hésite pas à tout moment à liker, commenter ou pourquoi pas partager. N'hésite pas aussi à me dire si tu aimes les vidéos rangement comme ça mangathèque, parce que ça me permet de savoir si je dois en refaire quand j'ai à faire justement du rangement ou si je ne le fais pas en vidéo. Voilà.
Thank you.